Mesdames et messieurs, la culture, aucune nation ne peut narrer son histoire sans sa culture. Contribuer à l'ancrage de la décentralisation de la culture au Bénin, c'est l'objectif principal du projet vers la décentralisation culturelle au Bénin. Projet initié par l'atelier Ouverture Azo. Il couvrira au terme les communes que sont Abomey-Calavi, Dogbo, Boykon et Parakou. Il est parfois amusant d'entendre « Est-ce que la culture est rentable ?» Eh bien, le présent projet donne une réponse pertinente. Il permettra de prouver que la culture est l'une des premières ressources de contenu et de richesse économique, avec une prise de conscience sur l'impact de la culture sur le développement. Pour atteindre ces objectifs, nous allons développer une bonne quinzaine d'activités, mettre en place des outils de mesure de l'impact de la culture, une activité qui est en cours, former en conception et gestion de projet, former en évaluation de projet, mettre en place le fonds communal d'aide à la culture, créer et renforcer des groupes de femmes et de jeunes et financer des projets dans les 4 communes. Financé par le programme Renforcement et Participation de la Société Civile REPASOC, ce projet de 14 millions d'euros est le fruit d'une collaboration avec le gouvernement béninois qui ne ménage aucun effort pour le développement de la culture. Quelle place pour la culture dans le processus de décentralisation? Comment financer le développement de l'action culturelle à la base? Ce projet s'inscrit en effet dans la dynamique du programme d'action du gouvernement qui travaille à donner au secteur culturel béninois un visage nouveau à la base. C'est pourquoi le gouvernement s'active à faire des classes culturelles une réalité dans les communes. Ce projet sera conduit jusqu'en octobre 2020 et il profitera à plusieurs acteurs culturels, ce qui leur permettra de porter haut l'art et la culture béninoise.